Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai une soirée entre filles de prévu. J'avais envie pour cela de vous montrer tout ce que j'ai préparé, mon repas, ma décoration de table, l'animation. Et donc je vais vous montrer tout cela en images. En ce qui concerne l'organisation préalable, comment s'organiser afin de mieux profiter de vos invités et éviter de passer tout votre temps en cuisine, j'ai fait une vidéo dédiée spécialement à ce sujet que je vous mettrai à la fin de la vidéo, ainsi que l'explication du pliage de serviettes en forme de fleurs. Ce qui concerne l'invitation, j'ai voulu faire quelque chose un peu girly. J'ai créé sous PowerPoint un carton d'invitation que j'ai transformé ensuite en image et que j'ai envoyé par mail ou que vous pouvez envoyer par SMS. J'en ai profité également pour composer le menu que j'ai envoyé à mes invités en leur demandant s'il y a des choses qu'elles n'aimaient pas pour éventuellement prévoir un plan B au cas où. Comme je vous l'expliquais, le frigo, voilà, il faut vraiment qu'il soit un petit peu dégagé, rangé pour que vous puissiez rentrer, voilà, tous vos plats, tout ce qu'il y a à mettre au frais. Donc, essayez avant de faire venir vos invités, un petit peu de vider ou de ranger ou de réorganiser pour pouvoir un petit peu tout rentrer. Sinon, vous allez vous dire, il faut que je le fasse à la dernière minute et vous n'en sortez plus. Pour l'apéritif, j'ai prévu des petits toasts qui sont là, qui sont prêts à être cuits et enfournés. Donc vous avez des toasts chèvre chorizo, des chèvres chèvre miel. Il y a le pipin qui sont prêts également à cuire. Donc ça, je les servirai chaud juste avant qu'ils arrivent. J'ai prévu également, j'ai fait sous forme de jardinière en fait, des petites carottes qui sont vendues en sachet fraîcheur avec, vous avez du tzatziki. Donc vous pouvez mettre des radis, ce que vous voulez. Et ensuite, j'ai garni des tomates cerises avec du fromage frais à la ciboulette et à l'échalote, et donc j'ai utilisé les brins de ciboulette pour les farcir, et donc ça fait un joli bouquet de tulipes. Donc là, j'ai préparé justement une petite verrine de zeste de citron, des rondelles de citron vert avec du jus de citron vert, et là, ce sont en fait mes coquilles de noix de Saint-Jacques, puisqu'en entrée, je fais des noix de Saint-Jacques grillées. Donc là, il y a le beurre d'ail, donc elles sont déjà préparées. Je vais les faire gratiner 2-3 minutes. Ensuite, je vais rajouter le panko. Le panko, c'est de la chapelure que j'ai préparée juste après. Je vais l'arroser de citron vert et de zeste de citron, et ça sera l'entrée. Vous voyez, toutes mes petites préparations sont prêtes. Même le jus de citron, il est vraiment pressé. Le zeste, il est préparé. J'ai rien à faire en fait, j'ai que de l'assemblage à faire. En plat chaud, je vais faire un cabillaud. Donc, je vais vous le montrer. Ce sont des papillotes de cabillaud, voilà, que j'ai préparées. Donc j'ai préparé mes cabillauds avec une petite sauce que j'ai préparée. Je suis partie de la recette de la sauce vierge, qui est une sauce à base de pignon, d'olive noire, de cébette, de basilic et d'huile d'olive que vous mixez tout simplement, et des tomates fraîches que vous mixez. Et ensuite, donc, je les ai préparés comme ceci pour que ça prenne un petit peu le goût avec un filet d'huile d'olive et la sauce. Et ensuite, j'ai de la sauce qui est prête ici, que je ferai chauffer à la dernière minute au micro-ondes ou dans une casserole et que je verserai sur mon poisson. J'ai prévu des petits légumes au four. Donc là, c'est des tomates et des carottes avec des nems de poireaux, de fondue de poireaux. En fait, c'est tout simplement de la fondue de poireaux. La fondue de poireaux que j'ai préparée, je l'ai faite, j'ai fait des nems. Donc tout ça, ça sera au four à la dernière minute. Et ensuite, ça accompagnera mon plat. Et j'aurai donc des pommes grenailles que j'ai faites sauter avec du beurre. Et donc là, elles sont pré-cuites, elles ont été un petit peu bouillies. Et là, je les ai à peine faites sauter. Et ce soir, je continuerai la cuisson à feu vif avec un petit peu de tomate à l'intérieur, de l'ail et du persil. Et tout ça, ça accompagnera mon poisson. Pour le dessert,
j'ai prévu des ballotines. Donc là, ce sont des petits ballotins. Donc ça, c'est de la pâte philo. Donc c'est pas très joli comme ça. Parce qu'en fait, j'ai fait à la fois des nems et des ballotins. C'est de la pâte philo qui est garnie avec des pommes confites au beurre et à la liqueur de banane. Et j'ai une copine qui amène un gâteau au chocolat. Donc du coup, il y aura un petit ballotin, une petite tarte au chocolat. Donc je vais vous la montrer. Donc j'ai voulu une décoration de table qui rappelle ma vaisselle tout simplement. C'est une vaisselle en fait que j'ai commandée sur La Redoute l'année dernière pour la collection de Noël. Donc vous avez ces assiettes là, voilà, que j'ai pris sur La Redoute. Et ensuite ces petites assiettes là que j'ai trouvées chez Castorama et qui ont toutes en fait un motif différent. Donc du coup ça fait une table plus ou moins différente. Vous voyez là il y a un autre petit motif. Et ensuite vous avez une alternance également avec des motifs. Voilà, vous avez des cœurs, là-bas il y a écrit love. Donc voilà en ce qui concerne la vaisselle. Ensuite pour les couverts, ce sont des couverts noirs. Les verres viennent de chez La Farfouille. Et ceux-ci viennent de chez Maison du Monde. Donc j'ai les verres à vin, j'ai également les verres à eau. Mais j'ai voulu un petit peu mixer les couleurs puisqu'on est dans les tons dorés, noirs et blancs. Donc j'ai fait un mix d'un petit peu tout. J'ai fait des petits cadeaux pour mes invités. Ce sont des mini échantillons de shampoing, de gel douche. Donc là j'ai mis ensuite un chemin de table que j'ai pris chez Maxi Bazar. Il est vraiment joli parce qu'il est... En fait il est pailleté mais il ne perd pas ses paillettes, vous voyez. Et ils s'en font de toutes les couleurs. Ensuite, j'ai mis deux petites bougies, voilà, donc un petit smile, les plumes, des lumières, puisqu'on va être le soir, donc j'ai voulu quand même que ça fasse une petite ambiance cosy. Là, ça rend pas trop, mais ce soir, ça sera vraiment joli, j'essaierai de vous filmer ça. Voilà, j'allume mes bougies pour que ça donne une certaine ambiance. Et là donc j'ai préparé ma décoration pour l'apéritif, ma table pour l'apéritif avec les verres déjà en place, comme ça ça m'évitera de faire des va-et-vient. Et la dernière minute, je mettrai tous mes plats qui sont au frais ou mes toasts qui seront à préparer. Ensuite, on en vient au jeu. Donc, j'ai prévu, vous voyez, j'ai préparé en fait des petits jeux pour l'apéro avec des petits cadeaux. Alors ça, c'est facultatif, tout simplement parce que on va faire plusieurs parties et les personnes qui gagneront auront un cadeau. Donc, ce sont des cadeaux qui coûtent pas forcément cher, enfin des petites choses. Là, vous avez des bonbons, là, vous avez un petit calepin, des trousses beauté, vous avez des petits bijoux, enfin des trucs fantasy. Et chaque gagnant donc choisira un cadeau et du coup bah, chaque fois voilà il pourra partir avec quelque chose. J'avais prévu également des gages, je comptais acheter les Jelly Belly, vous savez ces bonbons là où on a un goût qui est bon et un goût qui est mauvais. Et je comptais faire piocher aux perdants un bonbon, c'était quitte ou double, mais du coup je les ai pas reçus à temps. Donc en ce qui concerne les jeux, j'ai celui-ci que j'ai trouvé chez Cultura. Donc c'est un jeu de mime, vous pouvez mimer sans les pieds, sans les mains, sans le visage. Vous avez un petit dé et en fait il faut tout simplement tirer le dé. Je pense qu'on va bien rigoler. Voilà, vous avez un petit dé, donc soit vous liez les mains avec ce filet, soit vous restez assis sur une chaise, soit vous vous retournez et il faut faire... deviner les mots qui sont ici. Donc là par exemple vous avez les carottes sont cuites, vous tirez le dé, ben les carottes sont cuites, il faut le mimer sans les pieds par exemple. Enfin, voilà. Donc je pense que ça va être assez rigolo. Et ensuite j'ai acheté ce petit jeu qui était en promotion aussi chez Cultura, puisque j'ai une copine qui adore chanter et c'est Moi la star karaoké. Vous avez une étoile. Vous la retournez et vous avez en fait différentes choses comme Minode comme Jane Birkin dans Ex-Fan des 60s pendant le reste de la carte. Ensuite, Chute fait deviner aux autres joueurs la chanteuse suivante en chantant un ou plusieurs de ses tubes. Il faut faire deviner Cyndi Lauper. Voilà, donc en fait, je pense qu'il faut avoir les 5 étoiles pour gagner la partie. Enfin, en fait, il faut que je lise tout simplement. Mais bon, du coup, c'est pas mal. Donc, je vais la mélanger, celle-là, parce que sinon, on va tomber dessus et je vais m'en rappeler.
Voilà, donc je pense que ça va être rigolo. C'est Hachette qui fait ceci. Donc, voilà. Et je pense même que pour corser le jeu, je vais leur demander, si elles doivent chanter ou quoi que ce soit, d'utiliser, en fait, des chamallows. Voilà. J'ai acheté des chamallows, donc il faudra qu'elles les mettent dans la bouche. Et vous savez, un peu comme le Jelly Belly Challenge. Et du coup, ben, en fait, ça permettra de rire un petit peu. J'espère que cette petite vidéo et ces petites astuces vous auront plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.